J'ai hésité à prendre Cleanse en vrai. Est-ce qu'on pouvait Cleanse l'ultime de Skarner? Pourquoi ça, je sais pas par exemple. Je pense que oui, ça se Cleanse. Ah là, j'ai fait l'erreur de ma vie. Ne pas prendre Cleanse, erreur de ma vie. Il y a Legit, Stun, 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 Slow et Slow. On va prendre les potions. Vas-y, je suis trop hypé. Je suis trop hypé de tester le... Ce build de là, je l'ai vu sur le stream de Dopa. C'était Nico qui jouait mid, mais elle jouait quand même Protobelt. Donc on n'a pas la rune qui réduit jusqu'à 40% la CDR de Protobelt. Je vais me mettre en Kane comme ça, vu qu'il commence top apparemment. Limite, je vais me montrer un peu. Oh putain. Je vais faire genre qu'il commence là-haut en fait. Je vais vraiment faire le cassos. Je vais vraiment faire le cassos. Tu vois, tu passes ici, comme ça il te voit. Et là, ils pensent qu'ils vont cheese le raid. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ils vont top. Ils croient vraiment que Kane est là-haut. Ok, là c'est parfait. Il full bug. Ça me termine, putain. Ah là là, c'est trop beau. Mon écran de Skarner, c'est très très spécial. On joue Comet. On va jouer la mana en vrai. On va essayer de jouer à la fois agressif et avec un peu de mana. Vu qu'on a mana flow, ça va être assez cool. Ah ouais, j'ai les biscuits et tout même. Oh, c'est trop bien ça. Oh, je vais vraiment pouvoir harasser là. Mais attends, mais il va prendre très cher en fait. Hein. Il joue TP en plus. Oh là là. Regardez, attendez, il va pouvoir le canon. Et il est mort. Oh le shield de bâtard. Oh, je m'attendais pas à un shield aussi violent en vrai. Oh non, mais là t'abuses gros. Mais c'est quoi ce shield? Mais what the fuck. Putain, on dirait Rumble, c'est horrible. Oh le shield, mec. Mec, c'est quoi ce shield? Il a monté le shield, c'est pas possible. J'ai l'impression que je lui fais pas de dégâts. Il a combien de MR? À 43. Attends, mais j'ai combien moi? 31. Y'a un bug ou pas les amis? Il va faire sa transmo, donc c'est pas mal. Ok, good. Okay, il va rater pas mal de trucs là. Mec, il absorbe tout. Je suis gigadeck. J'aurais peut-être dû jouer Comet. Non, je veux dire Electrocute. Après, Comet, elle a déjà fait 272 en vrai. Ah, j'ai fait W. Il a même pas voulu essayer un clone, tu vois, un mec. Après, lui, il a plus de mana en vrai. Hein. Est-ce que mon bac pue la merde? Non. Parce que je vais jouer Protobelt. 37, 16, 6 minutes. Ouais. On n'a pas giga farm. On a voulu plutôt le bolosser. Après, ils ont un Vladimir Yumi. Hein. Oh non, il va me falloir Morello trop vite. Oh, je pensais que j'avais le passif. Oh non, je pensais que j'avais le passif de l'auto. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon bah, il ferme plus. Hein. Ok, bah il avait pas assez de mana quoi. Attends, qui l'avait flame? Bah alors, Kane, ta petite soeur qui joue là ou quoi? Oh putain, quel. Va falloir que je commence à warder aussi. J'ai pas wardé une fois presque. Ok. Je sais pas si c'est Amumu ou Skarner Mid, je comprends pas le délire. Nickel, nickel. Good, bien joué mec. J'aime trop Nico en vrai. Franchement, si Nico existait pas, si Shaco existait pas, j'aurais arrêté le jeu vraiment. Vraiment, il n'y a plus que les deux, ces deux champions me tiennent en vie. Ces deux champions me tiennent en vie. Nico, c'est incroyable ce champion. J'aime trop les champions mindfuck en fait. Où tu peux jouer avec le mindfuck. Shaco, Nico, avec des clones où c'est stylé à faire. Talia, c'est juste, voilà, c'est une histoire d'amour. C'est différent, Talia. Oh putain, c'est cool.
Attends, il y croit encore? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais je t'ai fait la même technique 10 000 fois, t'as vraiment cru que j'étais... Ah donc ça marche 1 milliard de fois cette technique en fait. Ok bro. je savais pas. Parce qu'en fait, normalement je fais la technique du... Je mets mon clone ici et je pars dans l'autre sens. Mais... 2 fois ça peut encore marcher. 3 fois normalement ils comprennent que je fake. Ah bah non. Ah, toi t'y crois plus toi par contre. Je l'ignore, j'avais peur que le... Oh merde. Oula que c'est mal joué ça. Ouh que c'était mal joué, j'avais plus rien, il a juste appuyé sur R. En fait lui il va juste attendre mes erreurs, il faut que je fasse très très attention. Mais ça suffit ton shield. Ah bah Vladimir, là en fait, voilà pourquoi je dodge les Yumi. Par exemple quand je joue Xerath, je suis obligé de dodge une Yumi. Parce qu'il y aura zéro fun, je sais qu'il y aura zéro fun. Ah Mumu, ça peut pas gank une Nico, hein. Ça se fait trop contrer partout. Le clone, c'est trop... Non, c'est trop compliqué pour lui, je pense. Je sais pas si j'aurais dû prendre le voice staff, en vrai, moi. Ah oui, si, clairement. Ok, ça va, je maîtrise. Il va pas sur moi parce que c'est Irelia, MDR. Faites-moi confiance les gars. GG. Fais attention à Mumu. Je fais tout le temps la même technique. Ils comprennent pas. Normalement au bout de 2 fois c'est plus possible. Je fais la même 10 fois. Ça me fume. Est-ce que... Attends, parce que là je les ai mindfuck. Est-ce qu'ils vont croire encore au truc? Ou est-ce qu'ils vont se dire... Ah bah non il fait plus le même là du coup. Il y a Mimi derrière. Ah dommage, ce triple kill aurait fait cool. Dommage, je sais pas si j'ai le temps de faire encore le même tricks là. J'aime beaucoup Comet en passant. J'ai pas eu le sentiment d'avoir besoin des 40% de CDR sur la proto-belt. Je me sens bien avec ce build. De runes je parle. J'aime beaucoup. Les bots font plaisir aussi, hein. Ça me permet de tanker beaucoup plus. Non, je pensais pas qu'ils étaient tous là, putain, je suis trop con. En fait, là, le truc, il a pas marché. J'ai voulu refaire encore, hein. Mais en fait, le truc, c'est que vu que j'ai été stun avant mon W, si t'as joué une fois Nico, bon, bref, si tu connais un petit peu Nico, tu sais que le clone ne peut pas être stun, en fait. Ah, oh, putain, ils y ont pas cru une seconde. Moi, j'ai tout utilisé. J'ai raté mon ultime sur le Renekton. Pourtant, on n'avait pas de vision, mais ils s'y attendaient de fou, apparemment. On va juste zoner un peu là. Putain, j'aurais pu refaire la même technique, ils y auraient pas cru hein. Il y a le Skarner qui a hésité je crois. Et GG l'équipe, c'est pas fini. C'est fini.
GG. Ah, tu vois la triste nana, je le savais, elle allait lâcher un easy. Oh la grosse chouin. Elle a tellement passé une game de merde à la botlane, tout ce qu'elle voulait c'était gagner et lâcher son easy à la fin. T'écoute. En même temps, tu joues Xerath et tu dodges pas quand t'es contre une Lulu, tu vas passer une très très mauvaise game. Tu peux la gagner, mais tu vas pas t'amuser, vraiment, tu vas pas t'amuser du tout.